Larbi Ben Barek, né le 16 juin 1917 à Casablanca et mort le 16 septembre 1992 dans la même ville, est un footballeur marocain. Auteur de la plus longue carrière en équipe de France de 1938 à 1954. Surnommé « la perle noire », il a été, durant sa carrière au Maroc, en France et en Espagne, une star adulée en raison de sa technique et de sa grande élégance. Les spécialistes le considèrent comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Pelé dit ainsi « Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu ». Jeune orphelin, il grandit dans le quartier Cuba à Casablanca et joue au football dans la rue avec les enfants de son quartier. 5 mois après son arrivée en métropole 3, il fait sa première apparition en équipe de France. Il se retrouve à l'Atlético de Madrid en Espagne pour un montant de transfert de 17 millions de francs de l'époque, ce qui représente le transfert le plus important en Espagne en ce temps-là. Ben Barek rejoint l'Olympique de Marseille en fin de carrière. Avec l'OM, il joue une finale de Coupe de France perdue face à Nice. Palmarès champion d'Espagne, 1950 et 1951 avec l'Atlético de Madrid, Supercoupe d'Espagne Coupe Eva Duarte, 1951 avec l'Atlético de Madrid. Champion d'Afrique du Nord, 1942 avec Union Sportive Marocaine, vice-champion d'Afrique du Nord, 1938 avec Union Sportive Marocaine. Champion du Maroc, 1938 et 1942 avec Union Sportive Marocaine, finaliste de la Coupe d'Afrique du Nord, 1956 avec l'USM Bel Abbès. Plus longue carrière en équipe de France de 1938 à 1954, soit 15 ans et 10 mois, 17 sélections et 3 buts. Sa carrière de joueur achevée, il se reconvertit en entraîneur. Larbi Ben Barek meurt le 16 septembre 1992 dans la solitude, son corps n'est découvert qu'une semaine après sa mort. Le 8 juin 1998 à Paris, la FIFA lui décerne, à titre posthume, la médaille de l'Ordre du Mérite.